Nous les appellerons Jamila et Kanat. Ils ont fui le Kyrgyzstan avec leurs deux enfants. Ils sont arrivés à Montpellier le 23 décembre et depuis, ils vivent dans l'incertitude. Trouver un hébergement chaque nuit. Sur leur chemin, ils ont rencontré des personnes solidaires comme Yanis. On essaye de trouver des logements au jour le jour pour eux. On joue sur la solidarité, sur la bienveillance. Mais là, on arrive à, entre guillemets, à courte solution. Et donc aujourd'hui, ils avaient un rendez-vous important, administratif, et on espère que ça va pouvoir avancer rapidement pour eux. Ce matin, Jamila et Kanat avaient rendez-vous en préfecture, leur première démarche pour obtenir l'asile politique. Au Kyrgyzstan, le couple ne se sentait plus en sécurité. Kanat, directeur de clinique, a vu la corruption envahir son établissement. Dans ma clinique, j'ai commencé à vérifier les actes d'avortement des gynécologues. De faux actes qui étaient liés à un trafic d'enfants. Tout le système politique est corrompu au Kyrgyzstan et le gouvernement est lié à cette corruption. Je l'ai prouvé. Ma femme journaliste a publié mes accusations sur son blog. Et pour cette raison, nous nous retrouvons dans cette situation. Dès que j'ai lutté contre la corruption, j'ai subi des pressions par la suite, j'ai gagné des procès. Et là, on m'a menacé physiquement. Jamila et Kanat ont 21 jours pour étayer leur dossier de demande d'asile. Si les associations les aident sur un plan administratif, c'est l'hébergement qui leur fait défaut. Et le centre d'accueil de demandeurs d'asile de Montpellier est souvent complet. Nous sommes prêts à aller n'importe où, pourvu que nos enfants soient au chaud sous un toit. Nous aspirons à la tranquillité. Au Kyrgyzstan, nous n'arrivions plus à dormir. Des réceptions du dossier, l'État aura 45 jours pour statuer sur le sort de Jamila et Kanat.